Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît494 pour ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Cetra l'impérissable et les Khemri. Alors, on finit notre tour, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire le temps que ça tourne et qu'on voit ce que font nos ennemis. Oui, donc j'ai bien reçu vos commentaires, hein. Vous m'avez dit que c'était une technologie, seulement j'arrive pas à trouver laquelle. Donc, parce que les quelques technos que j'ai vues, en fait, donnent plus 1 de capacité de recrutement, mais elles ne donnent pas de recrutement. Donc, et apparemment, j'ai pas de gars dans mes possibilités de recrutement, donc ça doit possiblement être un bâtiment. Mais je n'en suis pas sûr, donc on va voir. À moins que ce soit des capacités de généraux, je sais pas du tout. Donc mission envoyée, piller la confrérie des Nécrars qui se trouve à Trifouilly-les-Bains. J'ai 23 tours pour le faire, on va essayer, mais rien n'est garanti puisque pour l'instant j'ai autre chose en tête, hein, comme d'aller péter la gueule de ce gars-là. Donc on va commencer à s'avancer. Voilà, puisque nos armées sont fous. On s'avance. Voilà. Donc lui, ce gars-là ici, sa garnison, ça a l'air d'être de la belle merde. Donc on ne devrait pas avoir trop de mal. Lui ici a terminé son recrutement lors du tour précédent. Donc avant de recruter, on va voir ce qu'on peut bâtir. Voilà, on va essayer de favoriser un petit peu nos bâtiments. Donc ici ça, ça nous donnait ça. Ici ça, on voulait faire ce bâtiment là pour pouvoir le supprimer ici. Voilà, et ici ce qu'on fera à la place, c'est qu'on fera plutôt le truc avec les chevaux en fait. À moins qu'on fasse plutôt des bâtiments d'unités monstrueuses. Voilà, ce qui pourrait être pas mal. Voilà, ici l'étendue des espoirs, on ne peut rien construire. Donc on construit hein, de toute façon la terre des morts. Voilà, ici on est en train de faire un bâtiment pour la croissance. Très importante la croissance. Voilà. Le grand désert, donc on en met à pas grand chose. Et donc ici. Ici ça progresse bien, on n'est pas trop mal. Tour 5 tours avant le prochain surplus, il nous faudrait un surplus de 4, donc il va nous falloir beaucoup plus de 5 tours avant de pouvoir construire. Donc du coup ici ce monsieur va pouvoir recruter un dernier archer. On va lui faire recruter deux de ces gars-là déjà. Voilà. On va lui faire recruter un de ces gars-là aussi. Voilà, c'est... on recrutera un ou deux de ces gars-là aussi. Et puis, ça sera bien pour les deux prochains tours. Voilà. Du coup, nous, on progresse sur la tournoi. Ici, on va se mettre... Non, bah on va rester comme ça en fait. C'est bien, on continue à régène. J'aurais voulu me mettre en mode campement, mais c'est pas grave. Et donc du coup, on va pouvoir terminer notre tour. Nova Scanop, on est à 46, ça monte pas vraiment vite ça. 3 par personnage, donc oui, il va vraiment falloir que... merde, ma techno. Zut. Bon, on va mettre en avance rapide. Lui, je pense qu'il va commencer à se constituer une armée parce qu'il me voit arriver. Voilà, on fait défiler vite, hein. Voilà. Alors, on est à 4000. Ici,
On va encore s'avancer un peu. Par contre, on va s'avancer juste de quoi se mettre en mode campement, je pense. Voilà. Et donc, on va se mettre... permet de reconstituer et d'accéder au groupe de recrutement local. Ah bah, c'est ça qu'on veut. Voilà, comme ça, au prochain tour, hop, notre armée, elle est complètement reconstituée et on peut aller taper sur la tour noire. Super! Super, super, c'est exactement ce qu'on voulait faire. Magnifique. Donc, ici, on avait dit, on va plutôt faire ce bâtiment-là, je pense. Hein. Voilà, ce sera plus utile. Voilà, et puis ensuite, eh bien, on verra pour remonter celui-ci. C'est quel bâtiment qui est bloqué ici ? Celui-ci qui est en train de finir de construire. Ok, oui, d'accord. D'accord, d'accord, super. C'est ça qu'on voulait. C'est exactement qu'est-ce qu'on voulait. C'est parfait. C'est parfait. Techno. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait rechercher? On va continuer à faire descendre cette techno-là. Voilà. Mes persos. Donc, est-ce que je peux recruter des persos? Maintenant que j'ai recruté un seigneur. Pourquoi n'ai-je pas le microtech incroyable, hein? Donc les nécrotectes, c'est normal, j'ai pas débloqué la techno. Mais par contre, ceux-là, je comprends pas qu'ils me proposent pas dans... Dans réquisitionner, comment que ça se fait, ça? Je pense que j'irai voir sur internet entre deux épisodes, là. Et parce que ça m'intrigue de pas pouvoir recruter au moins un prêtre liche. Ça me titille. Ok, donc tous ces gens-là sont occupés, tous nos mouvements ont été faits, nos vases canopes augmentent. Et donc du coup, on va pouvoir finir notre tour, voilà. Donc fin du tour. Donc ouais, je pense que je vais aller voir entre deux épisodes. J'ai vite fait voir sur internet parce que ça me titille. À moins qu'on aille voir au prochain tour pour les héros. C'est peut-être ça. C'est peut-être bien ça en fait. Moi je crois que c'est des bannières, mais c'est peut-être pas des bannières ces gars-là. C'est peut-être des microtechs et tout ça justement. Donc on va voir au prochain tour. Avec le revenu que j'ai, ça devrait être faisable. Donc déterrer la chambre, plus de vases canopes, creuser ailleurs, plus de trésorerie. J'avoue que là en ce moment les vases canopes m'intéressent vachement. Voilà, donc ici on a un rite qu'on peut effectuer, on a culte mortuaire, on a trois trucs qu'on peut faire. Ici, donc voilà, c'est ces trucs là. Ah oui, il faut 150 vases canopes. D'accord, donc oui, on est obligé d'attendre les vases canopes. C'est ce que j'avais dû dire dans l'épisode précédent. Et entre deux, j'ai fait une pause et du coup j'ai dû oublier. Ici, on va pouvoir aller attaquer cet endroit-là. Donc on va se remettre en mode marche normale. Et puis on y va, hein, on n'attend pas. Voilà. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va bien? Alors on est venu et puis on va vous conquérir. Hein, n'est-ce pas? King of Battle. N'est-ce pas? Je pense même pas besoin d'avoir besoin de tour de siège. Allez, on va la jouer. On va la jouer en speed. Ça va être sympa, ça fera un combat, ça fait... c'est toujours plus sympa. Donc on a un espèce de seigneur, on a ces gars-là qui sont assez forts, on a ces gars-là
Il a une cave et des ouches à petits, donc autant dire qu'il a pas grand chose. Donc du coup, comment va-t-on faire? Comment va-t-on faire? Alors. Déjà, je pense qu'on va mettre ces gens-là à l'écart pour le moment. Non, on va juste commencer le déploiement. On va prendre ces gens-là. Comme ça, j'aime bien une répartition un peu... un peu équitable des forces. Donc tous ces gens-là, on va leur donner le groupe 1. Tous ces gens-là, on va leur donner le groupe 2. Tous ces gens-là, on va leur donner le groupe 3. Ces gens-là qu'on va mettre par ici. Ces gens-là, on va les mettre ici, avec lui ici. Voilà. Elle, on va la mettre avec nos archers. Voilà. Eux, on va les mettre ici. Eux, on va les mettre ici. Eux, on va les mettre ici. Voilà. Eux, ici. Eux, ici. Eux, ici. Eux, ici. Et donc voilà, on va les mettre devant et du coup on va pouvoir commencer la bataille. Eux ils sont loin. À la limite j'aimerais bien les mettre dans un endroit où ils se prendront pas des tirs, donc je pense qu'ici ça pourrait être pas mal. Voilà. Et on va commencer la bataille. On laisse charger ses tours. Pause. Donc eux ici. On craigne les... D'accord. Donc vous. Là. Vous allez venir ici. Et ensuite vous irez attaquer ça. À la limite. Ça vous occupera. Pendant ce temps-là, le groupe 4, vous allez vous occuper de cette porte-là. Ces gens-là, vous montez ici. Ces gens-là, vous montez ici. Ces gens-là, vous montez ici. Voilà. Ces gens-là, vous montez ici. Ces gens-là, vous montez ici. Vous montez ici. Les archers. Les archers, vous allez venir. Une unité ici. Une unité ici. Une ici. Et une ici. Voilà. Toi, tu vas t'avancer suffisamment pour être hors de portée de ces tours-ci. Donc tu vas venir ici. Et Cetra, tu vas venir attaquer cette porte avec les copains. Et tout le monde a ses ordres. Donc du coup, eh bien, c'est parti.
Eux, bah, vous allez vous avancer ici. Voilà, parce que je suppose qu'il va avoir mis ses mouches haptiques pas loin de l'entrée. Voilà. Hein. Donc les piafs, on va les envoyer attaquer ça. Voilà, tant qu'on y est. Hein. On y va, on y va. Voilà. C'est pas, hein. Il sait où il va. Voilà. Ah, mais allez, allez, on y va les gens. Ouf. Vous allez tirer dessus. Ouh. Vous tirez dessus. Vous vous sortez pour pas prendre des tirs amis. Allez, allez, on se bat, on se bat. Voilà. Ici, la porte a flanché. Donc on va envoyer ce monsieur là-dessus. Hein. Oh, oh. Bah. Allez, attaque-le, bordel. Hein, toi, tu viens ici, tu m'attaques ça. Et vous, vous ici, vous m'attaquez ça. Ok, ensuite. Donc, pause. Vous. Défoncez ça. Vous. Vous défoncez ça avec ces gars-là. Vous. Bah. Voilà, vous vous mettrez là. Hein. Vous. Tirez sur ces gars-là. Vous. Vous avancez ici. Et ensuite, vous tirez sur ces gars-là. Voilà. Toi, tu continues. Hein, tu vas attaquer. Tu vas attaquer ce gars-là. Et vous qui êtes ici, voilà, on vous avait gardé ici. Vous venez ici, vous venez me buter ça. Voilà. Voilà, je pense qu'on est pas mal barré là. Donc les mouches à petits. Voilà, vous attaquez ça aussi. Hein. Hop là. Nos archers. On est là. Vous. Vous allez attaquer ça. Voilà. Vous là, faut venir attaquer ça. Allez. Allez, allez. Voilà, bim, ici. Proche, yes. On fait sauter. On bourre les habiletés. On donne plus de compétences à nos unités de tir. Voilà, on va intervenir. D'ailleurs, ici. Allez, allez, on y va les gens. On vient ici. Voilà. Le Ushapti, on va les reculer. Voilà. Non, non, non. Le Ushapti, j'ai dit. Ah merde, ils sont rentrés en frénésie, c'est quoi. Ok, c'est pas grave. Ils sont revenus. On va les faire sortir. Voilà, nos archers ici. On va retirer sur ces gens-là. Vous, il faudrait finir de tuer ces gens-là. Vous, il faudrait aller tuer ces gens-là. Vous, là. Il faudrait aller tuer ces gens-là. Tirez-nous sur ces gens-là. Tirez sur ces gens-là. Allez, allez. Et eux, là, ils font quoi, là? Allez, faut aller attaquer, là. Il y a plein de gens qui ne demandent qu'à mourir. Voilà. Donc, nos archers, eux. Ici. Voilà. Ici, eux, on va les envoyer terminer cette unité-là.
On va les envoyer se mettre. Ah bah ils avaient pas déjà aussi ordre de se mettre là. Voilà. Toi tu tires. Est-ce que tu peux canarder ces gens là? Bah parfait. Voilà, tu peux canarder ces gens là. Vous butez ça. Vous butez ça. Voilà, c'est mort. Voilà. Ici, toi, donc, c'est tra. Ah, tu dois me buter ce gars-là. Hop là, deux patates. Voilà. Ensuite, nos archers là. Est-ce qu'ils peuvent tirer là-dessus? Je ne sais pas. On va voir. Je suis pas sûr. Le mec là. Hein. Voilà. On va les faire descendre, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos unités à la barde. Voilà, on va prendre notre Cetra. Voilà. On va prendre notre gars là. Et on va foncer dans le tas. Voilà. Les gens en train de prendre cher. Hein. Enfin, prendre cher, non. Oui et non, puisque ça ne vise pas super super terrible. Ce qu'on peut faire du coup, c'est que nos deux coups d'archer là, on va pouvoir les amener par ici. Pour qu'ils tirent dans le tas. Eux, ils sont encore en difficulté avec des gars. Mais... Ah, voilà. J'allais dire, non mais oh. Allons-y les gars. Il faut y aller. Il faut y aller. Voilà, et là, tout le monde dans ces gars-là, et ces gars-là sont morts. Donc normalement, on a gagné, non? Non? Pas encore? Bon, on va aller prendre possession. Ah non, dis donc, ouais! Merde! Toi! Barre-toi, reviens ici. Vous! Reviens ici. Vous, revenez ici. Vous, tirez là-dessus. Vous, tirez là-dessus. Putain, mais barre-toi! Barre-toi! Non, 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 non! Putain, ils vont me défoncer ma... Oh putain, je suis deg. Allez, les piafs, allez-y. Oh putain! Non. Les ouches à petite merde. Allez là, faut y aller là, putain. Vas-y. Mais eux, ils sont où là? Je vous ai dit de venir ici, bande d'enculés. Bah vrai, il va me démonter mes archers aussi. Mais barrez-vous! Ah bon. Ah putain! Il a fait pop une unité d'Ushapti invoquée. Et du coup, il m'a démonté... Ah, je suis dégoûté, il m'a démonté ma... J'aurais dû laisser une troupe avec elle pour la protéger. J'ai vraiment fait le con. Bon, bah tant pis, faudra qu'on en réinvoque une. Ah, merde. Bon, bah voilà. Du coup... On s'installe dans la cité... Thank you.
Ah zut, putain, la tristesse pour mon arche là. Zut. Ah, j'ai mal géré, je m'en suis rendu compte trop tard qu'il avait fait pop. Une unité tout derrière. Mais bon, c'était pas bête, hein. Comme ça, du coup, bah, il m'a au moins démonté cette unité-là, qui est assez dure à recruter, ma foi. Puisque c'est une invocation, si je me rappelle bien, donc... Bon, bah voilà, du coup, ça a été un joli massacre. Voilà, eux ils ont quand même fait un beau carton. Voilà. Les unités, elles se sont bien amusées aussi. Voilà, donc on s'installe, on récupère toujours plus de Vascanup. Merci. Faction anéantie, parfait, ça nous arrange bien. Et du coup, ici, ça va nous permettre d'avoir plus de recrutement. On peut toujours recruter aucun personnage. Voilà, donc ici, Cetra récupère. Voilà, donc c'est une arche des âmes damnées. Donc voilà, il faut que j'ai 5000. Donc, du coup, bah, on va économiser. Du coup, on va économiser. Ici, ça nous donnerait quoi? Ça nous donnerait capacité, plus de charognards, plus d'ordre public. Plus d'ordre public dans les provinces adjacentes. Ça pourrait être pas mal. Autrement, on pourrait augmenter notre taux de croissance. Ou on pourrait augmenter nos chars. Je l'ai en double de ce bâtiment-là. Oui, mais c'est un bâtiment de croissance, Ben. Du coup, celui-ci, j'ai pas encore les fonds. Je pense qu'on va attendre d'avoir les fonds parce que les charges, j'en ai suffisamment que je peux recruter. C'est pas... C'est vraiment pas une urgence. My will be du coup, ici. Ah bah maintenant, on peut recruter 4 guerriers de Neekara. Ah oui, non, ça j'en ai déjà un, donc je suis obligé d'attendre. Donc du coup, on va se prendre, oui, pourquoi pas, de guerrier de Neekara, ma foi. Et puis on pourrait se reprendre quelques lanciers. Voilà, ça nous ferait une bonne ligne quand même pour les larges, au cas où. Et puis ensuite, on verra pour... pour peut-être quelques unités de cave. Pourquoi pas, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? En recrutable. On peut recruter un de ces gars-là. On peut recruter de ces gars-là. Oui, quoique... je peux les recruter ici aussi. Voilà, on va lui filer deux caves comme ça. On lui filerait bien aussi, pourquoi pas, deux chars comme ça. Ça peut s'avérer utile. Ils sont anti-infanterie, ils tirent dans le dos, ils peuvent faire des charges dans le dos. Même si c'est pas des charges terribles, terribles. Ils ont quand même voilà, 52 de charge, quoi. Bon, c'est sûr, ceux-là en plus, je crois. Bonus de charge 52. Donc non, ils ont pas tellement... Ils ont pas moins. Ils ont pas moins. C'est qu'ils ont les dégâts à distance et que eux, ils sont quoi? Eux, ils ont un bonus contre l'infanterie. Que eux ont aussi. Donc, bon, au bout du compte, ils sont aussi bien, quoi. On va lui en donner deux comme ça. Et voilà. Et on montera à 18, ce qui est déjà pas mal.
Voili voilou. Ensuite, ici, on est installé, on régène. On n'a pas besoin de recruter, même si du coup je pense qu'on pourrait. Mais je vois pas quoi recruter en fait. Donc, du coup. Parce que qu'est-ce que j'aurais perdu? J'ai rien perdu en fait. Dans cette affaire. Ah bah si, j'ai perdu mon... Donc oui, on va laisser la place libre. On va laisser la place libre. Et du coup, dans nos constructions, on avait dit aux terres arides. Donc soit on fait ça, soit on fait ça. Et donc du coup, ouais, mais j'aimerais bien les catapultes. Quand même. Du coup, on va le faire. Et du coup, par contre, je peux plus faire ça parce que j'ai plus les fonds. Voilà, ok. Ok, ok, 122 Vascanop. Nous, on va descendre avec lui. On va essayer de venir jusqu'ici pour voir ce qui s'y passe. Et donc, du coup, on va finir notre tour. Et on va finir eh bien, l'épisode, puisque visiblement, on est déjà bien avancé. Voilà, donc, eh bien, vous connaissez le refrain. N'hésitez pas à liker, à partager les vidéos, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à me laisser vos petits conseils et commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour toujours plus d'aventures sur Total War.